Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la numérisation d'un dossier étudiant. L'utilisateur commence par sélectionner le job dans la liste déroulante. Puis, à partir de l'onglet Accueil, lance la numérisation du lot. Le lot apparaît alors, découpé en fonction du type de document par les intercalaires. L'étape suivante consiste pour l'utilisateur à réaliser un contrôle qualité sur chacune des images. Il peut alors zoomer . Il peut aussi changer le mode de numérisation de couleur à noir et blanc. Réaliser des rotations sur les pages. L'utilisateur réalise ensuite l'indexation de chaque document, en remplissant donc chaque champ soit par une liste déroulante, soit par des zones de texte libres. Ensuite, pour propager l'indexation, il doit passer sur chaque type de document. L'indexation étant terminée, l'utilisateur peut exporter le lot. L'export peut être paramétré de deux façons, soit vers un file système, l'arborescence est automatiquement créée. Les dossiers correspondent au type de document et dans chaque dossier, un PDF multipage correspondant au document du lot. Soit vers Alfresco où l'arborescence est automatiquement créée.